Et là, c'est la tente. Ils sont très bien organisés. Ouh. Ah, le surstroming. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on continue cette route vers le Cap Nord et les choses sérieuses vont commencer. Je vais passer à l'instant la frontière entre le Danemark et la Suède. Enfin, en tout cas, je vais commencer à traverser les ponts et ensuite on va se retrouver dans des températures vraiment négatives. C'est là où on va pouvoir tester si je vais pouvoir continuer ma route jusqu'au nord parce qu'il va faire vraiment très froid. Et on va encore une fois rencontrer quelqu'un qui est très connaisseur de la région du Nord, qui l'a déjà fait plusieurs fois en voiture, et j'ai vraiment envie de voir comment il se débrouille parce que lui, il dort pas dans sa voiture, il dort sous tente, et ça, c'est encore plus impressionnant. La nouvelle radio qu'on a installée avec Justin, ça change tout. Ces énormes ponts, ça coûte quand même 35€ pour les passer, en tout cas avec Oscar, ça sera peut-être moins cher ici. Et c'est soit ça, soit tu prends le ferry. Le ferry, c'est, on va dire, 90€. Il faut réserver aussi en fonction de la période. L'avantage du ferry, c'est que tu conduis moins, donc tu peux te reposer et tu fais moins de kilomètres. Donc il faut calculer en fonction de la consommation de ton véhicule si c'est rentable de le faire. Là, moi, ça ne me changeait pas grand-chose, c'était plus long. Et en plus de ça, il faut se synchroniser forcément avec les horaires du ferry. Et moi, je suis juste chaud, rouler, avancer. Parce que mine de rien, on ne se rend pas compte, mais la route vers le Cap Nord, elle est très 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 long. Bienvenue en Suède. Passage de la douane, on verra bien ce qu'ils me disent. Pas besoin de masque ici. Hello. You have your passport, please. Yes. You Eden Hazard's brother? No, no. I wish, I wish. Thank you very much. Thank you, have a nice day. Bye. Bye. Ah, il était rigolo, hein. Il était gentil. Il m'a juste demandé ma carte d'identité. Il m'a demandé si j'étais le frère d'Eden Hazard. Première fois qu'on me dit ça. Je viens de faire un arrêt indispensable chez Biltema. Biltema, c'est le meilleur magasin du monde qu'on n'a pas en Belgique et en France, malheureusement. C'est un magasin qui a tout. Des trucs pour bateau, des trucs pour camping-car, des trucs pour voiture. Et là, je viens de faire les courses parce que j'ai pas de matériel. Pour le grand froid, j'ai besoin d'une jerrycan d'essence, j'ai besoin du liquide de refroidissement, des sangles, une sangle de tractage, plein de trucs que j'ai pas pris, faut absolument que je prenne. Je suis content, c'est des bonnes courses. Le jerrycan est installé, c'est seulement un jerrycan de 10 litres, j'en voulais un plus grand, mais j'avais pas. Il me reste 10 heures de route pour rejoindre Claudio. Donc c'est assez long, mais il faut bien se rendre compte qu'un Cap Nord, il y a beaucoup de gens aussi qui abandonnent parce que la route est super super longue. Le diesel est très cher ici et c'est une route assez monotone. Et avec Sev, on a déjà été presque jusqu'au Cap Nord, donc je connais plus ou moins la route. On n'a pas été jusqu'au bout, mais j'ai une idée de à quoi ça ressemble. Là, j'ai hâte de voir quand tout sera complètement enneigé, tout blanc. Mais il faut bien se rendre compte que c'est un voyage très symbolique, mais c'est aussi un voyage vraiment pas si facile que ça. Premier réveil dans le froid, enfin plutôt sous la neige, le lac est gelé. Tu sens que c'est un peu quand même en phase de dégel. Et là, je suis en fait à peine à hauteur de Stockholm. C'est déjà fou de déjà voir les températures et la neige qu'il y a. La difficulté de la route vers le Cap Nord, c'est la longueur. Parce que à partir de Oslo en Norvège, tu as encore 2000 km pour arriver au Cap Nord. Les distances sont vraiment super grandes. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et apparemment, ton expérience va être très différente de si tu traverse par la Norvège ou par la Suède. En fait, ce qu'il y a, c'est que via la Norvège, il n'y a pas beaucoup d'autoroutes en Norvège. Donc les routes sont limitées à 80 km/h. Et le pire du pire, c'est que tu as beaucoup de ferries.
Donc en plus d'être lent sur la route, malgré que les paysages soient très beaux, tu dois souvent attendre des ferries. Donc en fait, tu perds beaucoup de jours. Ça coûte cher, le diesel coûte cher, ça prend beaucoup de temps. Et donc, il n'y a pas moyen de faire ce trip rapidement. Et beaucoup de gens pensent qu'il suffit juste de conduire et d'arriver au Cap d'Or. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que les distances sont super longues et la vitesse de croisière n'est vraiment pas dingue. Via la Suède, c'est un peu plus rapide. C'est-à-dire que c'est souvent limité entre 80 et 110 km/h. Et c'est vraiment des lignées de sapins, des routes toutes droites. Mais au moins, on peut rouler et il y a moins de ferries. Et moi, je trouve que les paysages sont super beaux. Il y a aussi un truc qu'il faut rajouter et prendre en compte dans la difficulté de la route. C'est qu'en fait, ici, ils salent pas les routes. Ils laissent une grosse couche de glace pour permettre aux voitures avec des pneus cloutés de rouler convenablement. Et je peux te dire que sans pneus cloutés, c'est vraiment tendu. Rien de plus normal de voir des motoneiges sur le béton en train de faire le plein à la station essence en Suède. Tu l'as compris, dans ma vidéo où j'explique mes plans pour 2022, le plan normalement c'était de commencer l'expédition vers le Cap Nord début février. Simplement parce que début février c'est sans doute le meilleur mois pour y aller. La lumière revient, les jours s'agrandissent, les températures sont un petit peu plus douces, on va plutôt dire un peu moins extrêmement froides. Et c'est plus agréable pour voyager là-bas, il y a encore les aurores boréales, il y a encore la neige. C'est vraiment avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le fait qu'il fasse froid, tout blanc, mais pas trop, avoir de la luminosité pour pouvoir profiter la journée et des aurores boréales forcément pour s'émerveiller la nuit. Je vais quand même activer le 4x4 pour pas faire de bêtises. C'est dans ces conditions-là où les plaques de désensablage, elles sont quand même très pratiques. En faisant ça, je réactive juste le différentiel avant et l'arbre de transmission pour que quand je mets la petite vitesse, bah, y a la force qui arrive jusqu'au bout. Ouh, c'est quand même un peu profond. Mais on va essayer d'aller se poser là. Juste là. C'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Je l'accorde. En même temps, qu'est-ce que tu veux, j'ai pas dégonflé, j'ai pas pris d'élan. C'est pas la mer à boire. On va voir si des matraques et un petit coup de pelle, ça suffit, ça m'étonnerait, mais. C'est profond ici, hein. Et voilà, de retour sur la route, c'était aussi simple que ça. Il y a ça de neige et en fait le problème c'est que maintenant on est dans une période où ça dégèle, ça regèle, ça dégèle et donc ça crée des couches de glace. C'est pas de la poudreuse. Si c'était de la poudreuse, je pourrais passer sans souci. Mais là c'est vraiment de la grosse neige bien dense. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre les copains. Et je vais essayer une autre tactique. Je vais y aller par à coup. Essayer de faire ma trace petit à petit, de casser la glace. On verra bien ce que ça donne. Je découvre de jour en jour les limites du véhicule. Je n'osais pas passer là-dedans. Et je suis passé. Si je me trompe pas, il y a un semblant de sauna. Ce serait dingue. C'est vrai que c'est très populaire ici. Quand je vois toutes les cabines qu'il y a, je sais même pas si c'est des cabines libre-service. Et voilà, je suis actuellement sur le lac. Et welcome. Oh non, il y a un code. Ah, ils sont là. Youhou. Salut, Amaury. Salut, Chanté. Quand on est venu, la route, là, c'est les premiers à faire les traces, il y avait ça de neige.
Qu'est-ce que vous faites là? Partout où il y a une belle vue, on s'installe. Et tu voyages comment? Seulement avec tente et poêle à bois. Avec quelques valises en coffre, comme toute bonne personne. Une vieille bagnole, facile à réparer. Et l'idée, c'est d'être mobile avec une tente, un petit poêle à bois. Important pour passer une excellente soirée. Je dis pas que les nuits sont meilleures, mais en tout cas, la soirée est bonne. Et niveau température négative, vous avez déjà eu quoi comme... Moins 20. Tranquille. Mais ça va, avec 3-4 couvertures, 3-4 sacs de couchage. Alors, le plus chiant, c'est très personnel, c'est pour pisser la nuit. Ouais, une bouteille quand même. Bouteille, exactement. Je fais la même chose dans le 4x4. Ah, ça va. Alors Claudio, il a le compte Instagram Grégolinus que tu peux trouver juste là. Il voyage beaucoup avec sa Volvo. C'est lui qui m'avait inspiré pour la coque et la tente. Il m'a donné plein de conseils. Il est très très fort. Il a déjà fait l'Iran avec sa Volvo. Il a fait plein de voyages en famille, etc. C'est bien la preuve que tout est possible. Et sa grande passion, c'est le froid et le confort. Et regarde où on est. Là, il y a le sauna. On va faire un trou dans la glace pour pouvoir se réfléchir. Et là, c'est la tente. C'est une tente de 3 mètres. Ils ont un petit poêle à l'intérieur. Ils sont très bien organisés. Et ils dorment là, tranquillement. Oh, le con, il a même pas été dans la trace. Voilà. Ah ben voilà. C'est fait. Magnifique. On s'est garé pour la nuit. Ouais. Et là, les lumières sont par contre très jolies. Hein. Et vous en avez du matériel, hein? La caisse à brol. Il y a toujours du brol. Tu crois que ça va te servir, genre une douche, hein, tu vois. Un gros motivé, bah, ou les souvenirs, bah, c'est là-dedans. Il y a la caisse, le bar. Ah. Shop, tout. Whisky, vin. La caisse intendance, couvert et tout. Et puis c'est tout, hein, finalement. Les sièges qui n'ont jamais servi. Le réchaud, la valise. Le réchaud, vous le cachez. Les matelas et tes habits, quoi. Les matelas de luxe qui font pour la maison. Bien isolant. Bien isolant. Les plaques d'ensablage, de l'essence. Ouais, parce que l'essence, on est toujours très optimiste et en fait, on va toujours à dernière pompe. Et puis en Norvège, oui, le prix, en fait, on a rempli en Allemagne, et ouais. C'est rentabilisé. Tu pars en te disant j'ai peur de manquer et puis... Ouais, tu vois, 3 pulls de trop... Parce qu'au final, tu mets tout le temps le même et... Exactement. Ça, c'est pour ramener le reindeer. Avec tout le matos. Ah, la boîte à outils et tout. Même un embrayage de secours parce que le mien était mort en partant. Oh, je suis trop heureux. Tu te rends pas compte la sensation que c'est d'être en face d'un lac. T'as vraiment l'impression d'être. On n'est pas seul au monde, il y a des maisons de vacances, mais tout. On a demandé pour louer le sauna, il faut envoyer un message ou téléphoner. C'est 50 euros. Heureusement, on est trois. Et là, on va essayer de creuser un petit trou dans la glace pour pouvoir plonger. Make a hole and then you can sew from yeah. That one. Okay, thank you very much. We bring it back. Wow. Je viens d'aller demander à une gentille voisine qui habite dans une très belle maison de nous prêter les accessoires pour faire un trou. Elle nous a dit que la glace était profonde de 1 mètre et elle nous a aussi dit que ça allait nous prendre plus d'une heure de boulot pour faire un trou pour pouvoir plonger. Donc on est motivé, autant vivre les aventures à fond. Là, c'est une belle scie à glace, bien grande comme il faut. Et Claudio, il a une espèce de vis manuelle. Comment ça marche, hein? Ah ben, bah, va falloir tourner, transpirer. Un peu comme déboucher une bouteille de vin. Et ça a l'air d'aller, hein? Ah, je suis. Ah. Yes. Yes. Et on va pouvoir pêcher demain. Une heure. Tu vois qu'ils exagèrent. 5 minutes, ouais. Soit on le sort, soit on le coule. On le coule. On le coule. On le coule. Un petit bouchon. Ah. Attends. Oh. C'est génial, hein. Après une bonne trentaine de minutes d'avoir creusé, on a enfin réussi à avoir un petit trou.
On a mis la sangle de tractage que j'ai acheté chez Biltema en termes de sécurité pour pas passer sous la glace. Et le sauna est à, je pense, à 70-80 degrés. Tadam! Oups! C'est le moment, hein? Il va falloir se mettre en maillot et aller se réchauffer. Je suis en train de plonger dans la glace, littéralement. Allez, petite douche. C'est ma seule douche de la semaine. Alors j'en profite. Ah, bon, dépêche-toi, c'est la file ici. Hein. Allez, hop, 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 hop. Oh, je vais à l'intérieur. Refait. Tu comprends pourquoi ils font ça après des longues journées de froid. Ça réchauffe et ça te redonne plein d'énergie et tu te sens vraiment très très bien. Ouais, j'ai oublié ma scie. La meilleure scie de toute la terre. Alors franchement, cette expérience est une première. C'est une drôle de sensation parce que presque instantanément, tu sens plus vraiment ta peau. C'est juste une question de gérer la respiration. Donc il y a quand même moyen de rester entre guillemets quelques secondes. Mais c'est juste bizarre parce que comme tu es entouré de glace, tu as peur de te couper, tu as peur de te faire mal. Et après, c'est difficile de remonter, mais c'est un vrai plaisir. Et là, je peux te dire que je me sens, mais comme neuf, complètement refait, plein d'énergie, tout propre. Ça fait super fort du bien et surtout qu'on s'est habillé à l'intérieur du sauna. Donc, il fait bien chaud, pas du tout froid. C'est vraiment super agréable. Une expérience comme j'en rêvais parce que faire un sauna, couper son trou soi-même, avoir des outils spécifiques pour ça, c'est tout bête. Mais au moins, on l'a vraiment fait à la manière suédoise. Je cuisine depuis l'extérieur. Qu'est-ce que tu proposes comme expérience, Claudio? Le surstroming challenge. Une spécialité suédoise. Du hareng fermenté dans une boîte pendant un an. Et de par sa fermentation, elle dégage pas mal d'odeurs pourries et tout loup. T'as déjà essayé? Oui. Et j'ai mis en bouche, mais j'ai jamais réussi à avaler. Ah. Donc voilà. Ça y est. Quoi? On va le faire. Non, mais qu'est-ce qu'on fait avec vous? Ça sent la toilette en fait. Hein. Ouais, ça sent. Là, ça commence à sentir un peu plus fort. Ça sent. Allez, qui veut du surstroming? Ça donne envie, ça, non? T'aurais envie de reculer. Tu voulais de l'aventure? Je vais courir et vomir, mais non, là non, quoi. Tu es obligé de l'avaler. Je dois le mâcher ou pas? Qu'est-ce que je t'ai dit dans le sauna? Ah, tu voulais vivre à fond l'expérience suédoise. Je t'ai dit que c'était dans la tête, non? Ouais. T'es sûr qu'il faut avaler ça? Je me sens faible dans tout mon corps. C'est autant ça sent fort, mais c'est tout aussi dégueulasse en bouche. Bienvenue en Suède. Pour revenir un peu sur l'expérience du surstroming, j'ai pas montré beaucoup d'émotions simplement parce que j'essayais vraiment de me contrôler pour justement pas surfaire le truc. Mais il y a rien à faire. C'est plus qu'infâme, c'est vraiment immangeable. Ça fonctionne comment ta super tente? Comme une tente. Oh, vous êtes bien là. Ah oui, j'avoue, en fait, un sac de couchage de chaque côté. Exact.
le petit poil. C'est ça. Et il fait bien chaud ici, hein. Bah oui. Ah ouais, il fait plus chaud que dans la voiture. Non, ce poil, c'est canon. C'est vraiment... Ah ouais. Aller en Suède sans goûter du Surströmming, c'est une visite en Suède ratée. C'était une soirée très réussie avec Claudio et Amaury. Que d'expérience, c'était drôle. Je suis super content de tout ce qu'on a fait ce soir. À demain. Joyeux matin. Je viens de me réveiller, il est 9h. Première nuit dans des températures négatives. J'ai pas mis les rideaux thermiques. Se réveiller dans ce petit cocon bien chaud, ça fait toujours du bien. Vraiment, je dors comme un bébé. J'essaie de m'improviser pêcheur alors qu'il y a littéralement 2,50 m de fond. Et à mon avis, comme disait Claudio hier, tous les poissons vont au centre du lac, comme ça il fait peut-être un peu plus chaud. Ou en tout cas, peut-être qu'ils ont plus de nourriture. Bon, sans surprise, j'ai rien pêché. C'est sûrement parce que j'ai pas assez de patience et avec 2 mètres de profondeur aussi. Ça aide pas. Claudio, pourquoi est-ce que tu as décidé de voyager uniquement en voiture? Par simplicité. J'ai eu un van et en fait, je trouvais ça plus compliqué qu'autre chose, tout être à sa place et tout. Et finalement, moi j'aime bien sortir mes caisses métalliques et surtout être toujours dehors. Dans mon van, je trouve qu'on s'isole parfois beaucoup trop par rapport aux gens, à la nature. On a tout le petit confort comme à la maison. Alors que la tente, c'est plus rude, mais voilà, coucher de soleil, le soir, dehors, le petit feu, le petit brasero. Je sais pas, quelque chose d'un peu plus authentique, mais c'est personnel, hein. Ouais, mais... c'est plus simple, mais plus intense, quoi. Voilà, c'est un peu plus, évidemment, compliqué, rangement, tu te poses pas là en 2 secondes, mais... Mais t'as fait ce voyage en famille aussi. J'ai fait ce voyage en famille, 4 mois avec une tente, où on a mixé tente et finalement, petites auberges, dormir chez l'habitant, et les rencontres ont été géniales. Et on a croisé une famille qui était dans un gros camion militaire, très chouette. Je crois qu'ils ont campé dans des endroits somptueux, mais en fait, à ce moment, ils ont fait quelques auberges avec nous. C'était la première fois en 3 mois qu'ils rencontraient des gens et qu'ils échangeaient avec des locaux, façon de parler, enfin de vivre vraiment le pays différemment. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de règles, c'est chacun selon ses affinités, sa façon de vouloir vivre un pays, rencontrer les gens. C'est très personnel, mais je pense qu'il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Et puis aussi en voiture, ben moi je suis parti du principe, il y a le moins de problèmes mécaniques, je fous le feu à la voiture, je prends mes plaques et je rentre en avion. Tu vois, cette Volvo m'a coûté 2 000 €, j'ai mis 1 000 euros dedans de pièces, je ne prends pas beaucoup de risques. Ouais. Un van, souvent c'est un autre budget, t'as une merde, tu stresses, t'as peur qu'on vienne cambrioler. Enfin, je dis, moi la Volvo, on n'a jamais stressé, on laisse nos pièces sur le toit, même dans les parkings, moi, jamais un stress. Quoi. Ouais. Et à la limite, ça a attiré la sympathie, parce que les gens... on était au milieu des vannes et t'as cette bagnole de façon un peu exceptionnelle. Enfin voilà, donc... Une chouette aventure. Bon, ça fonctionne pas, mais c'est bien parce qu'au moins Claudio teste les limites de sa Volvo. Joker numéro 2. Eddie. C'est fou comme il faut vraiment oser avec un 4x4. Quand normalement en voiture, bah dès que tu t'enfonces un petit peu, t'as peur de te poser sur le châssis. Mais là, comme je suis super haut et j'ai pas l'habitude, bah, en fait, t'as pas mal de marge, quoi. Et il faut pas hésiter à y aller en délicatesse, mais comme un... Et voilà, aussi facile que ça, la Volvo est libre. Le lieu à Amaury vont pouvoir partir. Youhou ! Et voilà, les deux aventuriers s'en vont. Eux, ils sont sur la fin de leur trip. Ils vont tout doucement se rediriger vers la Belgique. Ils ont fait un trip de 14 jours au Cap Nord. Ils dorment pas tous les soirs en tente parce que forcément, c'est un peu difficile. À deux, je pense qu'ils font une nuit sur deux en hôtel. Et c'est bien parce que ça leur permet vraiment de
recharger les batteries, de remettre le matériel vraiment en ordre. Et puis après, ils font des nuits quand même assez engagées. Quand tu penses qu'ils ont fait du moins 18 en tente, c'est quand même pas mal. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. C'était vraiment une super chouette rencontre pour moi, une super chouette aventure. Je suis tellement content d'avoir fait un sauna, d'avoir coupé moi-même mon trou dans la glace et d'avoir goûté le Surstroming. C'était vraiment mémorable. Je suis vraiment content de ce bon début d'expédition vers le Cap Nord. On a encore pas mal de kilomètres à faire, mais tout ça, c'est pour le prochain épisode. Comme d'habitude, n'oublie pas de kiffer et on se voit très vite sur cette chaîne. Ciao !